Lorsque j'ai un compte sur l'outil Participer, je peux rejoindre des groupes et y contribuer de manière active. Donc, pour avoir un compte, il faut évidemment s'enregistrer. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire ici. On vous enverra un mail de confirmation sur lequel il faudra cliquer. Attention, ce mail peut parfois tomber dans vos spams. Moi, j'ai déjà un mail. J'ai déjà un compte, donc je vais me connecter. Voilà, alors quand on est connecté sur l'outil Participer, l'interface change légèrement. On a un peu plus de choix dans la barre de menu. Donc, j'ai une vue agenda qui me permet de voir l'intégralité des activités proposées, les discussions, les groupes dans lesquels je suis inscrit. Ici, on voit que je n'ai encore rejoint aucun groupe. Et les utilisateurs qui sont présents sur l'espace du projet. Alors, si je veux rejoindre un groupe, je peux retourner sur l'espace participer, voir tous les groupes, visiter un qui me plaît bien. Imaginons que j'ai envie de rejoindre celui sur l'animation. Je peux demander à rejoindre ce groupe. Il me demande une connexion. Je retape mon mot de passe et mon login, je fais connecter. Et voilà, j'ai rejoint le groupe. Automatiquement, il me propose de choisir la fréquence avec laquelle je veux recevoir des nouvelles de ce groupe par mail. Donc je peux choisir tous les jours, toutes les heures, toutes les semaines, enfin, voilà. Vous pouvez, ou jamais. Vous pouvez choisir une fréquence, imaginons toutes les semaines, rejoindre ce groupe. Voilà. Si maintenant je vais ici, on voit que je suis effectivement devenu membre du groupe animation. Dans ce groupe, j'ai maintenant la possibilité de lancer des discussions. Auxquelles les autres pourront répondre. Je vais pouvoir ajouter des activités dans l'agenda. Je vais pouvoir déposer des fichiers. Je vais pouvoir voir les participants, éventuellement en invité. Ça, c'est éventuellement la carte des personnes qui se seraient référencées. Et la possibilité de gérer mes préférences, à savoir quand, à quelle fréquence je souhaite recevoir des nouvelles de ce groupe de travail. Voilà.